Attends, ça va pas la tenir à l'envers. C'est la barrette que j'ai achetée mais qui ne va pas. Ah bah oui, ah ouais, ça va? Il fait noir, hein? Je suis dans le bon sens ou Oui, pas? Ah! ça va tout de suite beaucoup mieux. Allez, moi je dis que ça va aller. Bah oui, c'est ta barrette, c'est le corsaire vengeance. Allez, hein. Et c'est là que ça ne va pas, et si Si, ça si, si, va? si, parce que les îles bruyantes ont déjà changé. Ouais, tu vois, c'est fou, hein. C'est dingue. Maman. Je trouve pas l'affichage, c'est pas. Ça va Ah aller. Va arriver. Ah, j'ai le clavier qui est allumé. Ah ouais, du signal. Que tout à l'heure pas. On va bouger petit canard, on va bouger la banane, sinon sur le dos ça va pas faire ça. Ta 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 ta. Alors, elle est déjà. Ah ouais, c'est bon. Nickel. Enfin, nickel avec ta barrette. Ah, splendide. Ah ouais. Bon, on va retester l'autre, mais à mon Ça avis. tourne comme des bourrins, forcément. Mais à mon avis, elle va pas aller. Donc la machine tourne bien avec une barrette Corsair Vengeance Pro. Et on va placer celle-ci dedans. Et on va voir le résultat. Alors, mon technicien. D'abord, pas se planter, mais d'abord, attends. Va placer la super marque Textorm. Et moi, je lance le pari. Ça va ou ça va pas? Allez, machine sous tension. Mais c'est rien, c'est gay, une vidéo animée. Là en dessous, papa. Mais en dessous, là. Bon, ben ça tourne, hein, mais. Toujours pas d'affichage. Le symptôme chez moi, c'est que ça reboot en continu. Ici, on va voir, mais j'ai l'impression que ça reboot pas. La machine est en route, mais y a pas d'affichage. Allez, allez, vas-y. Voilà, c'est bon. Un lot défectueux? Ah oh, non. Si c'est ça, ils peuvent me dire merci. Ils peuvent nous dire merci, nous envoyer une belle tour à chacun. Non? Un beau Ryzen 9 pour toi. Ah oui, série 3000, série 5000, je pense que c'est aussi avec une mise à jour BIOS, il va prendre. Toujours pas d'affichage, la machine elle tourne pourtant. Bon bah verdict pour moi. Maintenant je fais le fou, hein, mais ça fait la deuxième fois qu'on place la barrette, donc on sait très bien qu'elle va pas. J'avais oublié de filmer la première fois. Donc voilà, la barrette elle tourne pas, et si on remet la sienne, de toute façon ça tournera. Donc la barrette elle tourne pas chez moi, elle tourne pas ici, je pense qu'elle tourne nulle part. Et comme mon ami me le fait remarquer, chez moi c'est une plateforme full Intel. Ça, c'est pas dur, il n'y a même pas de GPU. Et chez lui, c'est du full AMD, hein, processeur AMD, carte graphique AMD. Donc, c'est vraiment deux plateformes différentes et elles tournent nulle part. Voilà, barrette Corsair Vengeance, 8 Go LED, donc en 3006, il va être placé. On peut le voir là. Là, voilà. On plug, on met sous tension, ça démarre.